traiter l'inflammation, l'arthrite et le gonflement des poignets. Méthode naturelle. L'Institut national pour les maladies de l'arthrite de muscles et de l'os et de la peau prétend que l'arthrite affecte beaucoup plus les femmes que les hommes et il provoque des douleurs dans les poignets et les chevilles. Il existe deux méthodes naturelles très efficaces pour traiter l'inflammation, l'arthrite et l'enflure des poignets. On a calculé que 27 millions de personnes âgées de plus de 25 ans ont vécu une expérience de certaines formes d'arthrite. Heureusement, il existe de nombreuses façons de réduire la douleur et l'inflammation. Certaines personnes utilisent des herbes, alors que d'autres recourent à des lotions et la cire chaude. Avant d'utiliser des herbes, vous devez informer votre herboriste parce que les herbes peuvent provoquer des effets secondaires. Piment. Les piments ont été utilisés depuis longtemps comme une médecine naturelle puissante. Certaines personnes les utilisent dans le traitement des symptômes de l'arthrite. Mélangez 1/4 d'une tasse de vinaigre de cidre, un peu d'eau et quelques piments. Appliquez ce mélange sur vos articulations. Cela permettra de réduire le gonflage, l'inflammation et la douleur. Vous pouvez trouver dans de nombreuses pharmacies des lotions et des pommades préparées à base d'huile des piments. Les lotions qui sont faites avec de l'huile des piments sont très efficaces pour soulager la douleur. Vous ne devriez pas mettre une grande quantité de la lotion sur la peau, parce que vous pouvez ressentir des picotements modérés. Vous devez appliquer une petite quantité de la lotion sur votre peau, et ensuite mettre peu à peu. Bain de paraffine. À la fin du 19e siècle, les gens avaient l'habitude de la chaleur et de l'hydrothérapie pour le traitement de l'arthrite. Vous allez augmenter la résistance à la douleur du corps avec application de la chaleur sur les articulations ou d'avoir un bain chaud. Cela allégera également les muscles et réduire l'inflammation. Si vous appliquez la paraffine chaude dans votre bain, c'est un excellent moyen de prolonger l'effet de bain chaude, et plus tard, vous pouvez également mettre vos mains dans un récipient avec de la cire chaude. La cire est en mesure de maintenir sa température jusqu'à 20 minutes et vous pouvez également la retirer de vos mains assez facilement. L'Institut national pour les maladies de l'arthrite de muscles et de l'os et de la peau prétend que l'arthrite affecte beaucoup plus les femmes que les hommes et il provoque des douleurs dans les poignets et les chevilles. Il existe deux méthodes naturelles très efficaces pour traiter l'inflammation, l'arthrite et l'enflure des poignets. On a calculé que 27 millions de personnes âgées de plus de 25 ans ont vécu une expérience de certaines formes d'arthrite. Heureusement, il existe de nombreuses façons de réduire la douleur et l'inflammation. Certaines personnes utilisent des herbes, alors que d'autres recourent à des lotions et la cire chaude. Avant d'utiliser des herbes, vous devez informer votre herboriste parce que les herbes peuvent provoquer des effets secondaires. Piment. Les piments ont été utilisés depuis longtemps comme une médecine naturelle puissante. Certaines personnes les utilisent dans le traitement des symptômes de l'arthrite. Mélangez 1/4 d'une tasse de vinaigre de cidre, un peu d'eau et quelques piments.
Appliquez ce mélange sur vos articulations. Cela permettra de réduire le gonflage, l'inflammation et la douleur. Vous pouvez trouver dans de nombreuses pharmacies des lotions et des pommades préparées à base d'huile de piment. Les lotions qui sont faites avec de l'huile de piment sont très efficaces pour soulager la douleur. Vous ne devriez pas mettre une grande quantité de la lotion sur la peau, parce que vous pouvez ressentir des picotements modérés. Vous devez appliquer une petite quantité de la lotion sur votre peau, et ensuite mettre peu à peu. Bain de paraffine. À la fin du 19e siècle, les gens avaient l'habitude de la chaleur et de l'hydrothérapie pour le traitement de l'arthrite. Vous allez augmenter la résistance à la douleur du corps avec application de la chaleur sur les articulations ou d'avoir un bain chaud. Cela allégera également les muscles et réduire l'inflammation. Si vous appliquez la paraffine chaude dans votre bain, est un excellent moyen de prolonger l'effet de bain chaude, et plus tard, vous pouvez également mettre vos mains dans un récipient avec de la cire chaude. La cire est en mesure de maintenir sa température jusqu'à 20 minutes et vous pouvez également la retirer de vos mains assez facilement. L'Institut national pour les maladies de l'arthrite de muscles et de l'os et de la peau prétend que l'arthrite affecte beaucoup plus les femmes que les hommes et il provoque des douleurs dans les poignets et les chevilles. Il existe deux méthodes naturelles très efficaces pour traiter l'inflammation, l'arthrite et l'enflure des poignets. On a calculé que 27 millions de personnes âgées de plus de 25 ans ont vécu une expérience de certaines formes d'arthrite. Heureusement, il existe de nombreuses façons de réduire la douleur et l'inflammation. Certaines personnes utilisent des herbes, alors que d'autres recourent à des lotions et la cire chaude. Avant d'utiliser des herbes, vous devez informer votre herboriste parce que les herbes peuvent provoquer des effets secondaires. Piment. Les piments ont été utilisés depuis longtemps comme une médecine naturelle puissante. Certaines personnes les utilisent dans le traitement des symptômes de l'arthrite. Mélangez 1/4 d'une tasse de vinaigre de cidre, un peu d'eau et quelques piments. Appliquez ce mélange sur vos articulations. Cela permettra de réduire le gonflage, l'inflammation et la douleur. Vous pouvez trouver dans de nombreuses pharmacies des lotions et des pommades préparées à base d'huile de piment. Les lotions qui sont faites avec de l'huile de piment sont très efficaces pour soulager la douleur. Vous ne devriez pas mettre une grande quantité de la lotion sur la peau, parce que vous pouvez ressentir des picotements modérés. Vous devez appliquer une petite quantité de la lotion sur votre peau, et ensuite mettre peu à peu. Bain de paraffine. À la fin du 19e siècle, les gens avaient l'habitude de la chaleur et de l'hydrothérapie pour le traitement de l'arthrite. Vous allez augmenter la résistance à la douleur du corps avec application de la chaleur sur les articulations ou d'avoir un bain chaud. Cela allégera également les muscles et réduire l'inflammation. Si vous appliquez la paraffine chaude dans votre bain, est un excellent moyen de prolonger l'effet de bain chaude, et plus tard,
Vous pouvez également mettre vos mains dans un récipient avec de la cire chaude. La cire est en mesure de maintenir sa température jusqu'à 20 minutes et vous pouvez également la retirer de vos mains assez facilement.